Et salut à tous, c'est le Bouto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de notre saison 4, la véritable carte d'entraîneur. Et nous commençons tout de suite cet épisode avec un adversaire plutôt sympa. Nous affrontons Ural en Coupe de la Russie, 5e tour. Et pour ce match, nous avons le droit d'aligner 5 joueurs étrangers. Autant vous dire que je me suis fait un petit kiff avant l'année prochaine. Leandro, j'y ai gardé Garbus parce qu'il est excellent. Il a été excellent. C'est notre passeur décisif de notre équipe. Il a fait déjà 5 passes D. 7,50 au dernier match. Au niveau de la défense, c'est peut-être un peu léger des fois. Des fois, je me demande quand même s'ils peuvent pas faire mieux. Mais espérons qu'ils fassent un beau match. Le petit Artem, le petit Iranien. Qui va jouer. Il n'a pas beaucoup joué cette saison. Voilà, que 5 apparitions. Mais il a des stats juste phénoménales. L'ailier avec le petit Alexandre en attaquant intérieur. Jamar Lozaï et Alex Lopez en pointe. Autant vous dire que c'est du lourd. C'est du lourd. Et on est parti pour ce match. On n'est pas favori, mais on peut peut-être créer la surprise. Ça serait plutôt bien, mais autant vous dire quand même, vous l'avez vu lors du dernier épisode, l'épisode 3, je vous ai montré un petit peu le tirage au sort et honnêtement, on n'a pas été épargné. Hein. On se prend une grosse équipe au 6e tour, il me semble, à moins qu'un club crée la surprise. Mais normalement, on devrait se taper un truc comme le Dynamo ou autre chose, je sais plus. Donc il va falloir être très fort et montrer qu'on est capable de tenir tête à des équipes de division élite. Pour l'année prochaine, ça pourrait être plutôt bien hein, de me montrer qu'on peut faire quelque chose. Donc on n'est pas favori, même si on a domicile. On a une cote de 4,50, mais c'est naturel. On est face à une équipe. J'aimerais bien voir leur classement. Alors, comment on peut faire? Salut à toi Flûte Québec, bienvenue sur le live. Compétition, on va faire ça comme ça. Du coup, Ulga, ils sont, il me semble qu'ils sont bien classés. Hein. Ouais, Ural, pardon, plus Ulga. Ural, ils sont quatrième. Donc ils sont bien classés. Allez, c'est parti. Je préfère me concentrer sur nos forces. On va faire des tacles durs, peut-être pas sur le buteur. On va faire le pressing, le mauvais pied, ouais, le tacle dur aussi. Mais j'ai pas envie que ça donne un penalty en fait. Le milieu offensif, pareil, on va faire des tacles durs et un pressing dessus. Et E2, on va faire des mauvais pieds et des tacles durs. On va y aller. Allez les gars, montrez-moi de quoi vous êtes capables. J'aurais pu leur dire pas de pression. Je sais aussi que vous pouvez faire beaucoup mieux. Voilà, ils sont motivés. Ils sont motivés. Allez, on est parti. C'est parti, on joue en blanc, bien entendu. Quoique, si, on joue en blanc. Allez, il y a des petits soucis d'animation, mais ça, c'est mon PC qui est un petit peu en PLS. J'en suis vraiment navré. Il y aura des gens qui volent sur le terrain. Et pas mal de choses comme ça. Est-ce que j'avais mis conserver? Non. Donc on va le mettre. Oh là là, ça commence bien. Encore un marquage laxiste, j'ai l'impression. Je vais regarder, j'ai pas bien vu. Sur une touche, d'accord. La petite tête. Et après, ouais, ok, d'accord. Le mec... un gros... Ouais. Il va falloir qu'il s'engage un petit peu plus. Hein. Concentrez-vous. Ok, on va enlever passer dans les espaces. Nos passes sont juste dégueu. Allez, on peut revenir, c'est pas fini. On a pris un but, faut juste qu'on se réveille. On a du monde devant. Hein. Le petit Alex Lopez et le petit Jamar. Par contre, va falloir appliquer les passes. Quoi. Et couvrir cette putain de profondeur. Sinon, on va en prendre 12. Hein. Ils sont trop. J'ai pas envie de jouer trop bas non plus. Mais ouais, va falloir qu'ils se réveillent. Hein. Agressif, on va être. Agressif et concentrez-vous, les gars. Bon, ça a mis montrer que vous avez du caractère, mais c'est pas grave. Ils sont... Faut pas qu'ils en marquent un deuxième en fait. Ne balancez pas en défense, bien entendu. On va s'en prendre un deuxième.
Si on en prend un deuxième, honnêtement, c'est foutu. Il n'y a personne qui vient la chercher. Je sais qu'il n'y a pas de milieu offensif, que voilà, mais ouais, ok. Non, je pense qu'on va pas créer la surprise dans ce match. C'est affolant. Affolant de voir notre jeu. Comme d'hab, on va être éliminé. 4 tirs, 0 cadré, même si on a la possession. La défense, elle chie, quoi. On n'a pas la défense de l'année dernière. Enfin, je veux dire, on a la défense de l'année dernière cette saison. Pareil, elle est un petit peu limite. Oh là là. Non, mais c'est désastreux. Désastreux de voir une défense comme ça. En plus, avec le gardien que j'ai dans les cages, parce que l'autre gardien s'est pris 3 mois dans la gueule. Aïe 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 aïe. C'est vraiment désastreux. Là c'est foutu. Bon, il l'arrête. Mais ouais, s'ils se réveillent pas les gars, ils vont prendre cher à la mi-temps. Parce que là honnêtement, oh, j'attends beaucoup plus hein. Faut pas déconner. Attends. 6-2 putain. Ouais, mes défenseurs vraiment ils sont dégueux. Ils sont dégueux. Et lui, je suis pas sûr que ça soit mieux. Est-ce que je fais un changement direct? Ouais. Ouais, direct, je fais un changement en défense. Parce que, ouais, ils arrivent pas à lancer, hein, je m'en fous, allez. Changement en défense, ça va pas. Les ailiers, ils ont intérêt de se bouger le cul. Hein. Enfin, les ailiers, les latéraux. Allez, Jamar, direct, le but. Ouais, mec, construit, putain. Eh ouais. Oh là là, c'est dégueulasse. Putain, mais cherchez à construire quoi, jouer le ballon dans la surface. Putain, soyez plus disciplinés un peu quand même. Oh la défense! Elle est laxiste! Elle bouge pas! Regardez-moi ça, le mec, il y a un mec devant. Et non, le mec il regarde le ballon passer. Le marquage, zéro. Ouais, ouais, centré. Faites ça parce que vous êtes nuls de toute façon. Arrêtez de conserver le ballon. Parce que vous savez pas. Bien joué. T'es mené 3-1. Et toi tu fais ta petite célébration. Ouais, c'est cool. Re. Salut KSMFR, bienvenue à toi. Là ça va un petit peu mieux, mais les gars, va falloir y aller. Hein. Va falloir y aller. Bah, j'ai déjà joué. Ah non, c'est parce que j'ai mis centré, d'accord. Allez, on va faire quelques changements. Chut. Le buteur il dégage. Parce que je le kiffe pas. Il m'énerve. Et après, j'ai combien? J'ai 5. On va faire ça, on va monter un peu offensivement. Ou plutôt Kozlov. Voilà, faut choisir entre Kozlov et l'autre. Plutôt Kozlov. En attaquant pivot soutien. Et puis. Ouais. Et puis voilà. Zut. Et donc en offensif. Plus balancer le ballon de la surface. Non, il veut pas. On va dégager le ballon sur les côtés. Et on va jouer plus haut. Là, si on veut revenir, va falloir y aller. Hein. Je suis dégoûté, quoi. La défense. J'ai encore du boulot l'année prochaine, ça c'est sûr. Avant l'année prochaine, j'ai encore énormément de boulot. 6 tirs cadrés, m'en met 3. Bon, le gardien, il en est pas. Voilà, la défense, le gardien, défensivement, ouais.
Alors soit je reconstruis toute ma défense dès le mercato hivernal. Parce que j'ai encore... Putain, mais les gars, je veux bien dégager sur les côtés, mais appliquer au moins les passes, quoi. Parce qu'on perd le ballon, c'est pas comme ça qu'on va revenir. Hein. Parce que, ouais, ils lâchent pas facilement leur ballon. Ouais, il l'a découpé, y a même pas faute, quoi. Putain, mais les mecs, vous jouez en crabe, j'ai l'impression de voir 3 jouer, c'est dégueulasse. Bien joué, allez, le centre. Bah là, c'est ça, putain. C'est ça, là. Coaching parfait. Kozlov, qui balance au mec qui vient de rentrer, et après le petit centre du mec aussi qui vient de rentrer. Allez, putain, portez-vous vers l'attaque. On va créer le surnombre. Putain, mais prends le ballon. On va s'en prendre un juste pour nous dégueulasser. Putain, j'hallucine. Bon, ça sert à rien, mais... Putain, on revient et non, ils sont pas solides. Comment veux-tu que les attaquants, ils travaillent, quoi? Je m'en doutais. Je vous préviens, marquez même pas parce que vous allez me dégoûter de la vie. Alors, quoi qu'on va en prendre un cinquième, allez. J'ai envie de les insulter. Oh, les connards, quoi. Putain, regardez-moi ces notes en défense, quoi. J'ai aligné ma meilleure défense possible. J'ai aligné la meilleure défense possible. J'ai envie de leur mettre plein la gueule. On va pas engueuler l'attaque. On va leur dire... C'est bien essayé. Mais on va engueuler tout le monde. Putain, 5 buts à 2, quoi. Il y a du boulot, hein. Pour être compétitif l'année prochaine, je le sais, j'ai un gros souci défensif. Je le dis depuis pas mal de matchs. Souvent on me dit ouais, mais tu marques les buts. En plus, ils ont été favorisés. Regardez la note de l'arbitre, quoi, 4,1. Enfin bref, c'est fini, on est éliminé, je m'en doutais. Défensivement, on est trop juste encore pour affronter des grosses équipes. Il va falloir s'affoler quand même. Un bout d'un moment. Non, je veux même pas parler des trucs individuels. Ouais. J'ai été déçu par certaines choses que j'ai vues aujourd'hui. Il va y avoir du changement, les gars. Ouais. Ouais, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. C'est pareil, la plupart des joueurs, ils voulaient se barrer. Ça, c'est autre chose encore. Peuvent être fiers. Non, je suis pas fier. Je suis pas fier du tout, mec. Je pense qu'ils peuvent être fiers d'eux. Ils ont tout donné. Ils ont rendu la tâche difficile. Tu rigoles. Défensivement, à la moindre occasion, on se prenait un but. Comme l'année dernière, quoi. Je le dis et je le répète depuis plusieurs matchs. Enfin, depuis le début de la saison, défensivement, on est trop juste. On va partir sur du Moon and Blade de Zeldark après. Là. La nouvelle série de ma chaîne YouTube, enfin du moins il va y avoir un épisode découverte et par la suite on verra si on continue ou pas. Donc j'annonce, c'est un vieux jeu mais c'est un jeu assez stylé. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas, pendant que je vous tiens, vous êtes 16, n'hésitez pas à voter dans le chat si vous préférez plus un style médiéval ou plus un style renaissance. C'est différent, il y a différents types d'histoires. Au niveau Renaissance, il y a les Cosaques, il y a la Pologne, il y a la Russie. Et au niveau Moyen-Âge, il y a genre le Royaume du Nord, voilà. Voilà un petit peu hors d'idée pour choisir. Donc là, on fait le match, on finit cet épisode YouTube contre le premier. Je suis anéanti totalement.
Et je vais devoir réfléchir à l'avenir de certains joueurs au club. Très bon défenseur, le problème c'est que c'est encore une fois c'est un mec qui a joué en Ligue 1 quoi. Encore une fois, c'est un joueur qui est étranger quoi. Ouais, je pense que défensivement, ouais, Renaissance, pourquoi pas. J'aime bien. Médiéval, Renaissance, ok, ça fait un vote partout. affectation, on va chercher, pourquoi pas, de nouveaux défenseurs. Après ce que j'ai vu sur le terrain, en transfert entre 18 et même 30 ans, on s'en fout. Très urgent. Ah si, tu peux donner ton avis, si tu préfères plus un style, si tu préfères le Moyen-Âge, une histoire au Moyen-Âge, ou si tu préfères plus une histoire à la Renaissance. Donc voilà, élimination, je le savais, on est éliminé de la coupe au cinquième tour, on n'a pas eu un tirage facile certes, mais mes joueurs ont vraiment abusé, ça fait, bah, de toute façon ça fait quelques matchs que même en championnat, voilà, on prend des buts. On a du mal offensivement, c'est pas pareil qu'au début on mettait du 6, mais voilà, 6-3. Bon là il n'y a rien, là on prend 2 buts, là on en prend encore 2, bon certes on en met 5 mais on en prend 2, là on en met 2, on en prend 2 je veux dire, là donc là ça va, bon par contre offensivement des fois ça pêche et après depuis ce moment là on a vraiment du mal. Au fait j'ai pris l'épisode, je sais même plus quand est-ce qu'on s'était laissé, je sais plus, ça devait être là voilà, donc on a continué par du 3-2. On a gagné grâce à Alex Lopez, je sais plus qui c'est, oui, le milieu défensif, pardon. Et un but contre ce con, heureusement, parce que sinon c'était encore un match nul. Ensuite, on a perdu 1-0. Ça marche, Eldark. Et ensuite, on a gagné 3 buts à 1, donc on l'a vu ça, et après on a fait le match de coupe complètement désastreux. On a intérêt de se rattraper là parce qu'on joue le premier. Si on gagne, on prend un petit peu de l'avance. Si on perd, on perd vraiment beaucoup d'avance parce qu'il a un point de plus que nous. Ça fera 4 points de plus que nous si il nous bat. Sandek, j'obtiens déjà mon diplôme. On obtient notre diplôme déjà. Ça fait déjà un an qu'on l'étudie. Non, c'est pas possible. On a la mi-saison. Bon bah on va débuter le prochain, enfin si on peut. Et voilà. On démarre notre dernière formation dans 12 mois. On a le diplôme Continental Pro. Et on pourra donc aller. Merci à toi Zeldark, à la prochaine. On pourra donc aller dans une autre équipe. Enfin, on aura, je pense, des possibilités d'aller dans de grandes équipes qui jouent, pourquoi pas, la Coupe Euro, la Champions League, voilà. Là, la carrière va commencer à prendre une autre tournure. On est passé par un moment où on devait se faire une réputation. Là, on s'est fait notre réputation. On attendait d'avoir les diplômes pour aller dans de grandes équipes comme la Ligue 1, comme voilà, les premières divisions dans tous les pays. Et voilà, c'est nickel, ça fait plaisir. Je pensais que ça allait être à la fin de cette saison qu'on allait l'obtenir, mais on l'obtient à la mi-saison. Ça veut dire qu'en septembre 2019, on sera en diplôme Continental Pro. C'est nickel. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, du coup, on joue le premier. Ça va être assez compliqué, on le sait. Mais on est à domicile, hein, faut le battre. C'est vraiment nécessaire. Défensivement, je suis assez déçu de mon équipe, hein, bien entendu. Mais ouais, je pense que l'année prochaine, si vraiment ça reste comme ça, il va y avoir du changement. Parce que c'est pas possible d'avoir une équipe aussi. Là, que ce soit le défenseur droit, au défenseur gauche, aux deux défenseurs centraux, ils ont été zéro. Tout le reste de l'équipe a été plutôt bon. Hein, les milieux défensifs, tout ça, ça s'est passé. Par contre, les autres, ma défense. Alors soit à la mi-saison, je fais un mercato, je change les titulaires en recrutant d'autres pour pouvoir préparer la saison prochaine. Comme ça me permettra pas, enfin ça me permettra de commencer à travailler avec deux défenseurs
enfin de les faire travailler ensemble pour que l'année prochaine ils soient prêts à être solides en première division, soit c'est pas qui, enfin je suis pas, je peux pas être capable de tenir en première division. Et là c'est problématique. Ou alors je donne plus de temps à ces deux défenseurs, mais ouais. Vu les notes qu'ils ont eues, ça me rappelle un peu la saison dernière, quoi. Ils n'ont pas du tout évolué depuis la saison dernière, ils sont toujours aussi, aussi gruyères. Cinq mille six cents billets qui sont vendus. Au fait, il y a eu combien de supporters dans le stade dernièrement? C'est ouf. C'était aussi loin que ça? 10 000 supporters dans le stade, quoi. 10 000 supporters dans le stade. Ok. C'est problématique, hein. Bon, du coup, on va essayer quand même de se concentrer sur le championnat pour avoir le titre, hein, bien entendu. Mais voilà. Je suis un petit peu déçu quand même. Et ça. Ça m'inquiète un peu pour la saison prochaine défensivement. Ça m'inquiète un peu. Allez. Du coup, bah ouais, hein. Leandro il a fait du 6-20, lui il a fait du 6-40, lui du 6-20 mais je l'ai fait sorti, lui du 6-40, ouais je suis vraiment déçu quoi. On va faire, voilà, on va changer. C'est horrible. Bon, du coup, j'ai trop d'étrangers, forcément. Hein. Donc, lui, il est suspendu. Je vais devoir utiliser un petit jeune. Hein. Je suis obligé. Non, c'est pas l'endroit, c'est. Ça doit être lui. Je sais jamais, ouais, c'est lui. Donc, ouais, là, je suis obligé d'utiliser un petit jeune. Yannick, il m'a fait plutôt un bon match. J'ai bien aimé l'arrivée de lui. Jamarloza, il a été bon. Et j'ai bien aimé le jeu de Kozlov qui nous a permis de revenir à 3 buts à 2 avant de se prendre 2 autres buts. Du coup, ça fait 3 étrangers, c'est parfait. Contrôler, voilà, ne balancez pas, conserver, jouer le ballon, passer dans les espaces. Voilà, allez, on est parti. Ouais, on va bosser un peu le placement def. Hein. On va bosser un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Échauffement des équipes. C'est un match aussi important. Nacho, ça doit être ça. C'est un match important parce qu'on affronte le premier qui a seulement un petit point de plus que nous. S'il gagne, il prend 4 points de plus que nous. Si il perd, on passe devant avec 2 petits points d'avance. Et on commencera à prendre de l'avance aussi sur les autres. Hein. Et si on fait match nul, bah, il garde son petit point
de plus que nous. Donc il faut gagner si on veut vraiment continuer à espérer d'être leader. Mais ouais, il va falloir pour ça, dans tous les cas, ne pas perdre, c'est important. Il ne faut pas perdre ce match. En plus, on est à domicile. Voilà, il y aura le match retour chez eux. Il faut gagner ce premier match. On est en blanc. Et ils enchaînent bien, là. Dis donc. Allez, c'est bien joué, Diamar. Ils ont la possession pour le moment. On l'a reprise. Et on va leur demander d'être créatifs. Je veux qu'ils soient créatifs, bordel. Donc on descend déjà à la troisième place, ce qui veut dire donc, ok, qu'ils sont en train de gagner, qu'ils ont marqué un but, UFA. Et nous on a un petit peu dominé, enfin du moins ils sont dangereux, et pas nous pour le moment. J'aime pas les jeux directs, mais on va leur demander de centrer, ouais. Allez, soyez créatifs. Ouais, ils sont plus dangereux que nous hein, pour le moment. Nous, on n'a fait vraiment aucune occasion dangereuse. C'était chaud. Allez, la contre-attaque. Jamar Loza, ouais, il n'était pas parti. Oh, oui. Bien joué. Bien joué. Oh, l'axe coupé, quoi. Il aurait pu au moins montrer le tir, quoi. Allez. On va leur dire ça. On s'en fout. Allez, on va leur dire, voilà, c'était pas mal, mais vous pouvez faire mieux. On va leur dire, vous avez manqué de réussite, et vous avez manqué de réussite. Allez, deuxième période, il faut être solide défensivement, et il faut aller marquer un but. Hein. Allez, Kozlov, qui se prend une petite élongation. On va mettre, ouais, on va faire un changement. Prends pas de risque. Jamar Loza qui est pas super sur ce match. Il fait du 6-6 pour le moment. Mais peut-être qu'il va marquer quand même un but. Allez les gars, concentrez-vous. On a 9 tirs, 4 cadrés, on a la possession un tout petit peu. Allez, le petit Alexei, là, il va sortir. Parce qu'il fait un mauvais match. Défensivement, c'est assez solide, mis à part, ouais, mis à part le petit remplaçant. Mais j'ai pas mieux. Allez, bordel, putain, soyez offensif. Il n'y a que qu'ils ont les grosses occasions, quoi. C'est catastrophique. Faut pas qu'on perde ce match, bordel. Sinon, ouais, sinon, bah, le titre, il va être très loin. Et après, on pourra que se contenter de monter directement ou monter au niveau des barrages. Mais ouais, c'est assez décevant. C'est assez décevant. Ah là, c'est bien joué. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? T'as niqué toute la vitesse. Bien joué, Diamar. Heureusement qu'il s'en sort, Diamar, avec ce ballon, parce qu'honnêtement, il aurait dû beaucoup plus avancer. Il aurait dû beaucoup plus avancer, il aurait dû continuer sa course pour faire un centre sur Diamar. Heureusement que Diamar, il arrive à faire quelque chose de ce ballon, mais c'est pas fini. Attention. On va leur demander de resserrer leur positionnement. Histoire d'être solide. Ça passe juste à côté. Ah, bien joué ça. Joue pas trop bas, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est bien joué. Allez, voilà. C'est contré, mais c'est au fond des filets. Sixième but. Juste énorme ce joueur. Allez, changement tactique. Ah oui, mince, un étranger. On va faire un petit changement défensif. Je peux pas faire autre chose.
Je vais être obligé de faire sortir lui. Faire rentrer ouais. Le petit Stéphane Darbion. Parce que j'ai pas envie de faire rentrer un défenseur non plus, histoire de déstabiliser un peu la défense. Même si des fois c'est utile. Le défenseur il fait du 6,7, c'est pas mal. Mais il se fatigue par contre, il fatigue. On va leur demander de rester concentré. Il reste quelques secondes, ça serait bête de se prendre un boulet de canon là. Ou un centre, une tête. Oh c'est chaud. Oh c'est chaud. Ça passe à côté. On obtient la victoire. Bien joué. 2-0, on a été solide. Offensivement les amis, c'est quasi mérité. Hein. Même si c'était assez... Ouais, belle victoire qui nous permet de reprendre la tête du championnat. Pourquoi pas? C'est pas facile, mais ça sera le football. Je pensais que ça allait être plus facile vu les scores qu'on. Je pensais être largement en-dessus. Mais il y en a, y a des équipes qui ont vraiment suivi le rythme. Et moi, après, j'ai enchaîné par pas mal de matchs ratés. Des matchs. Voilà, des matchs ratés. Des matchs nuls. Et du coup, voilà. Bon, on termine sur une bonne note cet épisode. Ça fait plutôt plaisir. On termine par une belle victoire contre le premier. Du coup, on est premier avec 2 points d'avance sur le deuxième. Et on va regarder tout de suite le classement pour avoir un petit peu plus d'informations. 4 à 5 semaines pour Kozlov. 7-10 pour lui. Il fait ses petits débuts. Ouais. J'ai mis au repos et ça a fonctionné même contre le premier. Du coup, ils passent quatrième direct. Hein. Ils sont tous à 33 points. Salut Noah. Ouais. Les barrages et le deuxième est à 33 points. Sinon, c'est 27 points. Ça commence à être loin. Il va falloir engager. Il va falloir là mettre les victoires. Enchaîner les victoires. Il y a eu un beau Jamar Loza. Je pense que Jamar Loza sera plus titulaire que Alex Lopez sur cette deuxième partie de saison. 6 buts pour lui, alors que Jamar en a seulement 5 buts de passe D, une fois du match. Pas mal. Pas mal, pas mal. On va voir ça, on va voir ça. Artem qui est suspendu, ça, ouais, pas mal de suspendus, pas mal de blessés, on va voir comment on va gérer la suite. Et donc on va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo, donc je vous invite à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. 105 abonnés pour le moment, ça fait plaisir, on continue notre avancée. Et je vous retrouve donc dans le prochain épisode, le 5e épisode. À très bientôt, salut à tous.